Onze fans reageerden massaal op de oproep om vragen te stellen aan middenvelder Elohim Rolland. De sympathieke Fransman diende de supporters van antwoord. Ben, écoute, c'est d'abord une fierté pour moi et pour ma famille. Vraiment, depuis tout petit, je travaille pour avoir ce contrat et voilà, maintenant je l'ai, c'est que du bonheur. On a une bonne atmosphère, voilà, après, c'est sûr que dans un groupe, on a toujours plus d'affinité avec certaines personnes, mais globalement, on a un bon groupe, c'est cohérent et dans le vestiaire, ça se passe bien. Bah, mon ambition, c'est de faire le plus de matchs possible, être le meilleur possible sur le terrain. Et voilà, essayer de marquer quelques buts, ce serait pas mal aussi. Voilà. comme tout le monde, j'ai deux poumons. Après, je suis pas spécialement bon aux tests physiques et tout, mais après, c'est sur le terrain. Quand on met sur le terrain, c'est... voilà, je me donne à fond et voilà. Après, je sais pas combien de kilomètres je cours. Après, voilà, c'est... je sais pas. Pas du tout. Non, je suis pas spécialement, pas trop de... Non, pas de rituel. J'ai pas joué en Ligue 2, j'ai joué en National. En National, il y a une grosse différence entre les niveaux. Voilà, c'est plus intensif, il y a plus de duels. Et tactiquement, c'est vraiment, faut être en place. Donc voilà, après par rapport à la Ligue 2, je sais pas, j'ai jamais joué en Ligue 2. J'ai une petite anecdote là par rapport au dernier match. Avant de rentrer sur le terrain, quand il chantait avec la dame là, j'ai eu quelques frissons et franchement, faut qu'il continue comme ça. Et franchement, ça me change des grosses ambiances, des petites ambiances. Et là, franchement, ça me plaît beaucoup. En plus, ils sont très proches, donc c'est bien. Ah non, après ça, on le devient. Après, je sais pas si je suis vraiment un joueur important, mais on le devient par rapport aux performances qu'on fait. Donc j'essaye de faire les meilleurs, donc voilà. On fait un bon métier, voilà. Après, je pense que vraiment j'ai été élevé comme ça. Donc voilà, donc je vais pas tout le temps faire la gueule, quoi. C'est important de sourire.